Bonjour tout le monde, épisode 50 avec Anto Rémillard. Et c'est 51 les gars. Épisode 51, on est de la même take, on est tannés. Cet épisode est commandité par Plan Hub. Tu sais quoi Plan Hub, Non, explique-moi. Plan Hub, c'est un site internet qui s'appelle planhub.ca. Il t'aide à magasiner ton forfait cellulaire et internet. Tu peux sauver genre 10, 15, 20 piastres par, soit par internet, soit par pour ton téléphone. Et à date, ils ont fait sauver 200 millions de dollars à tous leurs utilisateurs. Wow, ce n'est pas vrai, dis-moi que tu me plaisantes. Bon, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, Anto peut pas être là pour le vrai show. Puis en plus, ça tombe bien, t'as... Moi, j'ai fait mon heure incessamment, dans le fond, le 18 avril, au Bordel Comedy Club, ce qui est ici. Je le fais aussi à Vanifield, à la mairie de Vanifield, Québec, une couple de places, mais j'ai pas de site internet. Fait que va sur ma page Facebook, Instagram, puis tous les détails vont être là. Très cool. Sinon, il y a mon show à moi, mon premier show qui est sorti sur YouTube il y a quelques jours, je sais pas comment on sort ça. Ouais. Puis c'est toi qui as fait la réalisation, un gros c'est merci. Moi. C'est merci. Un magnifique spectacle que vous pouvez aller voir. Et merci allez liker toi. La page Instagram de Chuck, je trouve ça le fun qu'il y ait plus de likes que celle d'Anthony. Bon <S'il> épisode! On accueille mon co-animateur, mon collègue, mon très bon ami Charles Deschamps et notre juge invité! Notre juge invité, Jay Fournier, tout le monde! Salut Anto! Salut Charles! Comment tu vas? Ah, ça va, pis toi? Très bien, je suis d'une humeur massacrante. Hein? Je suis d'une humeur massacrante. Une humeur massacrante? Ouais. Tabarnak! Non, parce qu'il y a deux de mes humoristes qui ont sorti des super bons... deux humoristes préférés qui ont sorti leurs specials cette semaine. Fait que j'ai écouté beaucoup de bons stand-up, là, j'ai hâte d'avoir du mauvais. Ah! Oh. Je savais pas que t'avais leaké mon show. Nice. OK, parfait. Point de gagner tout de suite. Oui, oui, oui. Non, ça start tout de suite. Charles, j'attendais qu'il vienne s'asseoir. En fait, habituellement, on monte à deux sur scène. Puis là, à soir, il disait « Ah, on essaie autre chose. Monte tout seul sur scène pour nous accueillir. J'ai pas eu le temps d'aller chez nous. Je me trouve dégueulasse. Je veux pas monter sur le stage. » J'ai pas mon T-shirt de show. Ton t-shirt de show? Ouais. OK. T'as ton t-shirt de... Fait que là, j'ai volé un coton watté en haut dans l'os que je sais pas si t'as qui. Attends. T'as bien fait, Charles. C'est beau, toi? Là. Non, mais non, c'est pas à moi. T'es-tu fou? Calice! Il pue, esti! Jay, comment ça va? Ça va, vous autres? Ça va, ça va. Très content. Merci, les gars, pour l'opportunité de juger des gens nuls. Très content. C'est pas vrai. J'ai très hâte à ça. Je trouve ça le fun de juger. Je trouve que les trois, en ce moment, ça fait penser à PA Méthode. Au prochain stand-up, on a comme pas rapport, je trouve. Ben, parfait. Fait que t'es le PA méthode des trois PA méthodes. Ça va. Hey Chris, on est loin dans le PA méthode quand même, hein? Oui, mais t'as-tu des conseils, Jay? Amusez-vous. Amusez-vous pour de vrai. Assumez. Non, assumez mais je parlais minutes. Pas au public. Je parlais pour les humoristes. Oui. Le public, c'est sûr qu'ils vont s'amuser, là. Ah. Ben, amusez-vous aussi, les humoristes. Assume ton 3 minutes à 100%. Have fun. Juge-toi pas. That's on va juger. Est-ce qu'on est prêt à commencer ça? Ouais! Yeah! That's it! Charles, je te laisse présenter la première personne à monter sur scène. Avec plaisir, la première, c'est elle qui brise la glace, à qu'on l'accueille comme une rockstar, Maude Dessureau! Yes! En forme, tout le monde? Ouais! Cool! Hey, moi, récemment, j'ai eu 30 ans. Fuck yeah! Yeah. Je suis vraiment contente d'en finir avec ma vingtaine pour de vrai parce que moi, ma vingtaine se résume en trois choses. Agence de recouvrement, rupture et eczéma. Et la rumeur court que si tu répètes ces choses-là trois fois devant un miroir, il y a un coach de vie qui apparaît. Ou qui t'ajoute sur Facebook. Moi, j'ai tout le temps des demandes d'amitié de la part de des coachs de vie. Comme si ce monde-là regarde mon profil, ils sont comme « Elle, là, clairement pas la meilleure version d'elle-même. » Alors, elle aurait besoin d'un bon webinaire à 4000$ sur le développement personnel. Non, je suis vraiment contente d'en finir avec la vingtaine. Je trouve tellement que c'est overrated. Là. Je veux dire, la vingtaine, on va se dire, c'est la pauvreté. Hein. Premier appart, rarement château de Versailles. Bien souvent, c'est un demi-sous-sol qui pue les épices au Del Paso dans un quartier pas très chic. Mais c'est pas grave parce que tu te fais du fun avec tes deux colocs, Coquerel et Puce de lit. Premier char aussi. Moi, je me souviens, mon premier char, OK, c'est une Mazda 323. Ceux qui n'ont pas l'image, là, écoute, c'est une boîte à Big Mac avec des roues, OK?
Mais ça, j'ai eu du fun avec ce char-là. J'étais partout. J'étais allé dans le bois, j'étais allé dans les trails de skidoo. Même une fois, c'était assez drôle. J'étais allé en 1955 m'assurer que mes parents se rencontrent. Non, moi, j'accepte de vieillir et de passer à la prochaine étape. Je suis allé sur la génération plus jeune que moi. Chris, les jeunes aujourd'hui, là, avec leur vapoteuse, le sirop de codéine. Juste les nouveaux rappeurs, là. Non, mais les nouveaux rappeurs, là, pour de vrai, c'est quoi? On dirait qu'ils essaient tous de voler le swag à Ronald McDonald. Non, mais avez-vous vu les Island Boys? Genre, c'est quoi ça, Calis, là? C'est genre deux épouvantails à la plage. Ils font une collab avec Claude Pelgag, puis la terre explose, là. Non, pour de vrai, moi, j'accepte de vieillir, je trouve ça beau. Puis ça me gosse que la société nous dise tout le temps le contraire. T'sais, surtout chez les femmes, tu sais, crémantie, rides, botox. Je veux dire, c'est bien plus bon une personne qui vieillit, qui l'accepte, que quelqu'un qui vieillit puis qui l'accepte pas. Vous avez vu Madonna récemment? Non, mais je veux dire, des fois, tu vois ça aussi des vieux monsieur, tu sais, dans mi-soixantaine, sont là avec leurs jeans Parasco, T-shirt Ed Rush. Je suis comme collé ce papa. Enlève ça, s'il vous plaît. Puis non, on s'en va pas à la roquette. Sinon, moi, je viens d'un petit village, puis moi, dans ma rue, il y avait vraiment de quoi de drôle. J'ai le goût de vous le partager, parce que tantôt, j'ai croisé un ami d'enfance qui est dans la salle. Puis, d'enfant, moi, dans ma rue, OK, il y avait deux vieux bonhommes qui restaient ensemble, OK, deux vieux frères, OK, deux pas propres, là, deux astis de sale, OK. Il y avait des grosses barbes, OK, puis c'était deux frères. On s'appelait les frères Tipouel, OK. Puis, non, mais c'est vrai. Puis, à un moment donné, il y avait... Mon père parlait avec un des Tipouel. Puis, il y a une araignée qui est sortie de sa barbe. Tu sais, quand t'es tellement crotté que c'est plus du savon que ça te prend, mais du Raid. Tu sais, si ça grouille dans ta barbe, je veux pas voir dans tes shorts. Yeah, Mo! Merci. Wow! C'est réussi! Chris, starté le show comme il faut. Bravo, Maud. Yes, sir. On peut l'applaudir. Ouais, let's go, Maud. Merci, merci. That's it. Pour vrai, t'as une écriture qui me rend jaloux dans le sens que tu prends... Je trouvais ça cool comment chaque piste, t'es prends puis t'es punch. Chaque phrase, il y a un gag. C'est pas nécessairement toujours le meilleur gag. C'est pas un killer à chaque fois. Ce serait même épuisant, peut-être. Mais c'est tout. Tu trouves toujours... Tu sais comment écrire des jokes, puis c'est back-à-back, puis ça se tient. Chris, j'ai... Merci. Ouais, vraiment, bravo. J'aurais pris une piste, là, quand tu pars sur les deux estitales. Je pensais que t'allais partir pendant une minute de description, puis juste de... plusieurs façons de les traiter de dégueulasse. Ça aurait été... Tu t'enlignais pour ça, puis j'étais comme, j'en veux plus. Ouais. Mais t'es bonne. Bravo. Mais merci. J'ai merci. Rien à dire de négatif. Yes! Oh. Merci, merci. Ouais, j'ai adoré, Maud. J'ai adoré ça. Pour merci. Vrai, t'as de l'aplomb, t'es à l'aise. On dirait que ça n'a pas été long avant qu'on catch le perso, qu'on catch un peu tes qui. Moi, la seule affaire que je te dirais, c'est pas tant négatif, c'est que tu as des bons gags, tu as des bonnes lignes, assume-les jusqu'à la fin. Il y a des mots que j'ai manqués, que je suis sûr qu'ils étaient bons, qu'ils étaient importants, puis on s'est dit, Chris, c'est quoi qu'elle a dit? Mm-hmm. Ouais, le c'est truc de sirop après. Après la vapoteuse, tu as dit quelque chose après, vapoteuse? Sirop de codéine, mais j'ai comme. Sirop de codéine. Ah! Ouais. Il a été mâché. Mets ton micro dedans, ta gueule. Une ligne! Sirop de... Sirop de codéine. Mais j'ai adoré le tu sais, on dit tu l'avais. Tu l'avais, puis il y a des mots que j'ai manqués que j'ai fait. Asti, si tu l'assumais à 100%, je l'aurais ri. Ben merci. Bravo. Ouais, sérieusement, ben oui, on peut l'applaudir. Ben oui. Ouais. Sérieusement, bel job. Ça fait combien de temps t'en fais, là? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé 2 semaines avant la pandémie, là. Fait que, mettons, ça fait un an pour de vrai. Ben, à chaque fois que je te vois, tu prends une petite coche, vraiment, ça paraît que tu travailles vraiment fort. Tu t'améliores de fois en fois. Au début, je pense qu'il y avait un peu de nervosité. Fait que tu te mets souvent la main sur le coude de même, tu te fermes. Puis après ça, t'as fait « Oh, le monde rit », tu t'es comme... Ouais. Dès le début... Hey, gagne-moi pas, tabarnak! Puis, moi, j'ai juste une question. Toutes les gens que je connais de Trois-Rivières, ils ont tout un côté rock, sais-tu? Parce que la ville. C'est la ville qui est rock ou c'est la dernière place qui a Amnésia? Les deux réponses, là. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, ouais, c'est ça. Mais en plus, t'avais des références très montréalaises comme la roquette. Ouais, mais c'est ça. Mais quand je vais ailleurs, je dis c'est le shaker. Mettons, quand je vais.
À la région, mettons Trois-Rivières, c'est le shaker, puis à d'autres places, c'est le shaker. C'est le shaker partout. C'est le shaker partout. Je sais pas, que la roquette, je trouve c'est... On dirait qu'ils ont utilisé la petite descente de la petite grenouille. Ils ont fait, on y va all-in. Ouais, c'est ça, on va y prendre nous autres. Mais tu pourrais dire shaker même à Montréal. Ouais, okay, la roquette, Anthony est déjà allé plein de fois, là. Moi aussi. Ouais. Les deux gars sont allés. Les trois, on est allés. On est là souvent. Ouais, non, mais dans ma tête, c'est plus jeune, plus on va se saouler, là, puis... Ben, oui. Il y a pas d'âge pour ça, là, écoutez. Non, mais nous, on fait partie des gens cool qui vont la semaine, genre. Ouais, c'est ça. Ah, OK, ouais. Nous autres, on y va à midi, puis on déjeune. OK, ben, c'est cool, je vais dire shaker tout le temps. On déjeune de la coke à Xavier Caféine, là, c'est ça qu'on fait. Non. Xavier Caféine. Hey, montez sur eux, tout le monde, l'applaudit! Yeah! Bravo, monte! Et on continue ça avec Antoine Beauchemin! Yes, sir, bordel! Bonjour! Come on! Tabarnak, let's go! Let's go! Bonjour, Monsieur Rémillard, Monsieur Fournier, Monsieur Deschamps. Bonjour, enchanté. Super, super. Bonjour, mon nom est Antoine Beauchemin. Je me présente. J'ai 23 ans et moi, je suis né mort, OK? Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé, OK? Moi, en fait, je viens d'une famille. J'ai un grand frère, une petite sœur et au milieu, j'ai un jumeau, OK? Petite parenthèse, avoir un frère jumeau, ça veut dire que si je me pogne avec puis j'ai plus envie de voir la face... Moi, je peux pas me regarder dans le miroir. C'est la mort, OK? Et alors, c'est ça. Mon frère, Marc, lui, c'était un beau gros bébé blanc en forme, en santé. Et moi, j'étais un petit bébé bleu, maigre, hors service, OK? Ce qui s'est passé, c'est que mon frère a volé toute la nourriture dans le ventre de ma mère, OK? Puis là, je parle pas de mon grand frère, là, je parle de mon frère jumeau, là. Lui qui était dans le ventre avec moi, c'est pas mon grand frère qui est rentré dans la gorge de ma mère. Il va pas en avoir d'autres ici, ta maman. Non, lui était content. Lui était content. Il y a les deux petits frères qui s'en viennent. T'sais, ça aurait été plus chiant que leur mère vient à la maison avec un bébé, mon frère soit comme. Mais on crée, ça fait 9 mois qu'on attend. You l'autre. Ouais, mais c'est ça, Alexandre. Pour t'expliquer, c'est que Marc-André a tué Antoine. Traumatisant. On veut pas ça, OK? On veut pas ça. Et c'est ça, tu sais. Mon frère Marc, il m'a tué, là. Tu sais, c'est un meurtrier en cavale. Il n'y a jamais personne qui l'a puni, ce gars-là. Là. On a reçu le même cadeau à Noël, là. C'est l'enfer, là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va punir ce gars-là, dans mon oeil? Il va voir chaud, là. Non? Comment est-ce ici? Excusez, je me suis perdu votre rire. J'ai aimé votre rire. Et c'est ça, moi, je suis fâché contre mon frère. Je suis fâché contre mon frère. Fait que moi, ça fait un assez de bout que je ne me suis pas regardé dans le miroir, OK? Puis parce qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois ma face, je vois sa face, puis là, je me rappelle tous les calls, les flashbacks, man. Quand j'étais là en train de servir le trône de Marc-André, assis en train de se faire masser les pieds et me garocher des miettes de pain, moi, j'ai plus envie de me rappeler de ça. On parle dans le ventre de ma mère. Là, c'est une... Non, OK. Bon. C'est sûr qu'il était bon, ce gars-là. C'est en Antoine Beauchemin! On m'a gagné. C'était pas bon. Ah! C'est tout. C'est vrai? Non, en fait, je pense que le problème, c'est que t'es allé. T'as une prémisse vraiment forte. T'as une histoire fucking intéressante. Okay. Puis tu ne l'as pas expliqué. T'as juste voulu faire des gags. Puis les gags sont tombés à plat. Mais on voulait savoir. Puis t'as rien dit au final. C'est juste des parenthèses. Puis c'est moi qui dis que t'avais trop de parenthèses, c'est bizarre, là. C'est ça que je fais sur scène. Mais je pense que c'est ça, t'as trop voulu t'assurer d'avoir des punchs que ça a dilué le propos, puis là, on était comme... Mais je pense que le problème dans la prémisse, tu dis que t'es un enfant mort, c'est pas ça, t'as eu une tentative de meurtre. Ben en fait, OK, je l'ai peut-être pas expliqué, mais je suis vraiment mort à naissance, mais... Ben c'est ça, tu l'as expliqué dans le fond. Réanimé, c'est ça, faut que tu l'expliques. Ouais. Mais le pire, c'est que je m'en ai à ce bout-là, mais... Non, mais gars, mais moi, en fait, ce que je voulais te demander, c'est sérieusement, c'est quoi qui s'est passé? Toi, t'as failli mourir, t'es mort. C'est quoi que c'est? Dis-moi là, ouais, moi, 3 secondes. C'est vraiment ça. Marc, il me volait toute la bouffe. Puis là, moi, quand je suis sorti, j'étais bleu, maigre. T'étais-tu mort? Ouais, mort. Ben, bleu, maigre. Tu partais en urgence, là. Non, j'étais décollé, là, je respirais plus, là, ça allait pas, là. Okay. Mais je pense, mettons, refaire ce numéro-là. Faudrait que ça soit dit dès le début. On veut savoir, plus ça nous hook. Puis là, après ça, tu peux faire des digressions d'aller faire des parenthèses puis tout. Sinon, on est perdu puis on sait pas de quoi tu parles. Ah ouais, ultimement, c'est assez une expérience unique d'être mort. Man, t'as commencé ta deuxième vie à 3 secondes. C'est une belle prémisse, là.
Oui, effectivement. Puis là, tu vas commencer ta troisième. T'es clairement mort aussi à ce moment. Mais moi, je t'aurais dit ça pour vrai. Explique-les dès le départ parce que ça m'a pris pour vrai 2 minutes à savoir comment il est mort. Qui a punché sa mère enceinte, pauvre gars, tu sais, dans le sens. Je me demandais pourquoi t'étais mort, qu'est-ce qui s'est passé, tu comprends? Mais okay, juste ouais. Les questionnements, ça m'a perdu pour moi. Fait qu'il faut que tu sois très clair dès le départ, je pense. On s'est parlé vite avant le début du spectacle. T'étais nerveux. C'était ton premier bordel? C'est mon premier bordel, ouais. Ben, ça fait. Dernière fois que j'ai joué, c'était au mois de mars, puis j'ai joué peut-être 3 fois cette année. OK, on peut l'applaudir. Oh, fuck. Nice. Chris, puis ce gars-là, il est mort, là. Ben, il était mort, là. Il était mort. Bernard. Ben, pour vrai, t'as un aplomb sur 5, t'as un delivery fun. À force d'en faire, tu veux. En fait, c'est ça, ça sentait que t'étais comme un peu nerveux. Puis même que ta première phrase, moi, j'ai raté, j'avais compris, je suis né enfant mâle. Fait que je pensais que t'allais tomber là-dessus, mais vu que c'était marché, ouais, là, j'ai compris par après. Mais que t'étais mêlé tout au début. Là. Ah, moi, je comprenais rien. À la fin non plus, mais pour vrai, ben, c'est ça. Continue, mais pas comme ça. C'est tout. avant que tu partes, Antoine, vite, juste, ouais. Pose-toi juste la question. Je peux-tu l'expliquer en 5 secondes, c'est quoi je veux dire, mon numéro? T'sais? Essaye juste de te dire, comment je peux l'expliquer rapidement? Ça va être ta prémisse. Puis, si t'es pas capable, demande à ton frère jumeau, peut-être que lui est capable. C'est pas fin, ça. Où ce style-là, là? Mais sérieusement, t'es super sympathique sur scène, t'es arrivé avec des idées intéressantes, puis souvent, le monde, quand il commence, arrive avec des idées un peu préconçues, très faciles, des jokes de base de Tinder, pis da-da-da. Mais t'es arrivé avec de quoi d'intéressant, puis je pense que ça vaut la peine de continuer à développer, fait que je te demande à tout le monde d'applaudir. Let's go! Ouais, bravo! Antoine Beauchemin! Hey, je prendrais une peine de blonde, moi, s'il vous plaît. Bravo, Antoine. Je prendrais une pinte de blonde, s'il vous plaît. Une pinte de blonde pour Jay. Et nous autres, on continue avec merci Pat beaucoup. La chasse. Pat, la hey, chasse. Pat. Oh boy. Fait que, parlant d'immigration... Savez-vous c'est quoi le problème avec les immigrants dans mon village? Il n'y en a pas assez. Ils volent nos jobs! Une fois, c'est un gars qui est né le 5e jour du 5e mois 1955 à 5h55. Puis le jour de son 55e anniversaire, il y a une course de cheval à l'hippodrome de son village. Fait qu'il dit, ah, sa 5e course, il y a un cheval qui s'appelle Number 5. Ça, c'est 5 en anglais, OK? Fait qu'il s'est dit, je vais mettre 5 000 $ sur le cheval. Devinez quoi? Le cheval a fini 5e. Savez-vous, c'est quoi la différence entre un sentier battu et une femme battue? J'ai pas été élevé par un sentier battu. On l'oublie, celle-là. OK. Parlant de bowling, mon prof d'histoire, quand j'étais à l'école, il disait que le Canada puis les États-Unis, dans leur manière de gérer les Indiens, ils ont fait ça complètement différemment. Hein? Ici, on a fait des réserves. Là-bas, ils ont fait des abats. Puis moi, je bois des quilles. Puis des fois, je prends mon char puis je fais des dallos. Et whoopsie! L'autre fois, à Noël, ma femme, elle m'a acheté un livre pour apprendre à lire. Fait que je bois des quilles. Ouais. L'autre fois, je marche dans la rue. Je croise un Français. Il me dit, Pat, c'est quoi la manière la plus cheap et la plus efficace de sulo au Québec? Je dis, écoute, Valentin, c'est bien simple. Tu vas à la pharmacie, t'achètes une boîte de tampons. Tu prends un tampon puis tu le trempes dans l'alcool fort de ton choix. Après ça, là, tu te penches là, de même là, puis tu te le crisses bien profond dans le cul. Ben, devinez quoi?
Il a fini cinquième. Pas de la chasse! C'est quoi? Man, c'est... Ben, ça va, mon beau père. Ton premier gag était si fort. ça a pas retopé après. C'est ça? C'est une bonne idée. Mais c'était pas constant. Tu sais, t'as commencé avec... tu sais, mettons, l'introduction de ton perso, on s'est attaché. Après ça, t'es tombé en disant Fred Pellerin de Schlag, c'était avec un genre de conte. Après ça, des liners, c'était comme... Tu sais, t'as 3 minutes, tu peux, je pense, vu que tu fais un perso, garder la même affaire pendant 3 minutes, là, c'était décousu. Tu fais-tu de l'impro, toi, Pat? De quoi? De l'improvisation? Tu as déjà fait ça? Non. T'as jamais fait de l'impro? Non, jamais fait d'impro au cégep, là, mettons. Non? Je sais que je suis pas allé au cégep. Moi, ce qui me fait fucking rire, il fait une couple de gars qui font des personnages puis qui tiennent le personnage avant et après leur numéro, mais sont tellement pas capables de l'assumer qu'ils portent des lunettes de soleil. Mais... Parce qu'on veut pas tout te voir la face, hein? Mais moi, je vais être franc avec toi. T'as fait 2 minutes 44 et je te laissais parce que t'es venu accompagné. Il a choqué. J'étais sûr que ça allait être un duo. Fait que j'étais comme... Non. M'a laissé rentrer. Non, il est là-bas avec des lunettes. T'es-tu fait choquer, hein, mon beau pâte? Faut que tu le répètes. Ça a fait de l'impro, ça. Ouais, oui, c'est très rapide gâchette. D'esprit. Très spontané. Très bon. Très bon ce que t'as fait. Moi, je verrais ça dans un gala juste pour rire, personnellement. Ouais, dans les années 90. En 95, exactement. C'est un rip-off de Réjean de Terrebonne. Mais il y avait des bons trucs puis beaucoup de mauvais. Ça arrive, c'est pas grave. C'est-tu la première fois, Pat, la chasse que tu montes sur scène? Oui. Oui? Est-ce que tu as un désir de remonter sur scène? Clairement pas. OK. Bon, ben, t'es conscient. Fait que... L'important, c'est d'être lucide dans ses défaites, tu sais. Puis je demande au portier de... Je demande au portier de t'enlever ta bière parce qu'on n'a pas le droit de rentrer des bouteilles de bière d'ailleurs, s'il vous plaît. Oh! Je suis vraiment sérieux pour le portier. Là, c'est pas drôle. Là, c'est pas drôle. Là, je sais pas, faut-tu qu'il sorte? Juste qu'il prenne la bouteille. Et voilà. Garder la consigne? je vais te donner 15 cents. Pat la chasse, mesdames et messieurs! C'était très bon après le numéro. C'était quelque chose. C'était très Est-ce que bon. Vous êtes prêts à continuer ça? Et on continue avec Steve Davidson! Hey, vous reste du jus? Ouais! J'ai 5 choses à vous... Non, c'est pas vrai. Je m'appelle Steve, puis je vais vous conter une anecdote aujourd'hui. Je fais jamais ça, j'essaie ça. Par applaudissement, ceux qui ont déjà fait un jeu d'évasion... Pour ceux qui savent pas c'est quoi, en gros, c'est de réussir à sortir d'une pièce en 60 minutes. Pour ça, il faut résoudre des énigmes pendant que des gens louches te regardent par les caméras. C'est comme Big Brother. Sans le cash puis le fame, mettons, là. Si tu réussis, tu gagnes la satisfaction de t'être dépassé. Puis quand t'échoues, tu prends une pancarte dans tes mains puis c'est écrit « loser »,« perdant »,« imbécile ». Ils prennent une photo pour t'humilier publiquement sur les réseaux sociaux. Ouais, un bon deal, ça. Fait que pour ma fête, j'ai été faire un jeu d'évasion avec mon frère Mike. Puis il était vraiment là pour me faire plaisir. Parce que pour être bon dans un jeu d'évasion, il faut que tu sois calme, logique et réfléchi. Mike, c'est pas ça, non. Une fois, il était pris dans une salle de bain. Il a cassé la fenêtre et sauté en bas du deuxième étage. La porte n'était pas barrée. Oui, c'est ça qu'il fait, il est stressé. Fait qu'on arrive à Baptiste, c'est toujours mon moment préféré. Tu sais, l'excitation, l'inconnu. Se demander si l'animateur va être un ancien animateur de camp de jour sur le speed ou une version bien gelée d'Yannick Demartineau. On sait pas. Fait que François-Xavier arrive en costume, clairement sur le speed. « Bienvenue, aventurier! Suivez-moi! L'aventure commence aux démarches! Wouhou! Puis avance, non, mais on vous suit. On y va. » On a choisi une salle thématique. C'était Sweeney Todd, le barbier meurtrier. Il y avait des couteaux au mur. Oh, l'Halloween est passé, mais ça fait peur. Il y avait une chaise de barbier au centre, de la musique creepy. Moi, j'avais bien du fun. Mike, il est pas sûr, là. Il est pas sûr. Fait que le jeu part. Je vais à gauche, il va à droite. OK, une map de la ville de Montréal de 1942. Un cadenas à 3 chiffres.
Je suis bright. Je livre de la pizza, mais il n'y a pas rien là-dedans. 3-0-0, c'était 300e de la ville de Montréal. Ça marche. On est sur une solide lancée. À gauche, j'entends un crack. Mike me regarde paniqué. Il y a un cadenas cassé des mains. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est là. Je suis OK. J'entends walkie-talkie. Chut. C'était quoi le bruit? Oh, rien. Je me suis juste cassé le genou. Là. Je me suis pété le genou. Mais pendant que tu es là, je prendrai le premier indice. T'sais. On commence à être bloqué. Il commence à parler de la bibliothèque dans le fond. Il a pas fini sa phrase que Mike se court déjà là-bas. Il pogne tout à terre. Tac, tac, il pêche les affaires à terre. Wack, wack. Il trouve un bouton, il pèse, la lumière se ferme. Un cri de mort. Un autre gros crack. Plus rien. La lumière s'ouvre. La porte est défoncée. François revient. Steve Davidson! Entrez-moi dedans. OK, parfait. Moi, quand j'étais jeune... Ouais. Je vais cacher mes larmes. Non, c'est pas vrai, Il n'y a pas de trace. Non, on les sentait. Tu peux pleurer. Vas-y. Moi, quand j'étais jeune, je sais pas si vos parents faisaient ça, ils m'amenaient voir du théâtre d'été dans les parcs. OK. Ouais. Ça ressemblait à ça, mais aux autres, au moins, il y avait des costumes. Okay. Non, je comprends. Mais oui, un peu dans ce sens-là, c'est que t'es monté sur scène en disant « Je viens conter une anecdote » et avant de commencer l'anecdote, ça a pris un 45 secondes où est-ce que tu décris c'est quoi un jeu d'évasion. Jeu d'évasion, je pense, il y a 10 ans, si ça aurait valu la peine de l'expliquer, là, je pense tout le monde a pas mal de référents. Fait qu'à moins d'avoir un gag, là, c'était comme trop long. Puis finalement, c'est ça, c'est que l'anecdote, surtout en stand-up, faut que ce soit... Faut vraiment que j'aille l'impression... Si c'est pas punché, faut que j'aille au moins l'impression que tu me le racontes pour la première fois. Là, c'était une musique, là. C'était appris. C'était le tac-tac. Ça va une fois que je le faisais même pour vrai, par exemple. OK. Pour vrai. T'essayais de quoi à soir, là? Ouais. Ben, okay. C'était une V1 de ces 3 minutes-là. J'ai jamais fait ça avant, mais c'est mon background de théâtre pour ça. Ah, oh, c'est ça. J'étais un acteur. Mais moi, quand t'es embarqué dans le jeu d'évasion, au début, t'expliquais un peu c'était quoi. Les jeux. Ouais. Puis, je connectais, je disais, OK, j'avais hâte de voir t'allais où avec ça. Mais après ça, c'est comme raconter un rêve en stand-up. À un moment donné, quand t'sais, comme un jeu d'évasion, ça peut être n'importe quoi. T'sais. À un moment donné, t'as dit « wak, 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 clic, clic, clic ». J'ai rien vu, moi, là. Rien compris de ton wak 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 clic, clic, clic. T'sais, toi, dans ta tête, c'était clair, mais pour nous autres, c'est pas assez clair. T'sais. Fait que c'est plus de punch, plus de clarté, puis moins de... Ben oui, mais c'est ça, je pense que c'était trop... C'était trop récité, c'était trop appris comme pour une anecdote. Okay. Stand-up, je pense que ça peut se faire, vu que c'est du punch, mais là... Mais en même temps, je pense que c'est la 4e fois que tu viens. Ouais. Pour vrai? Non, mais Chris, c'est malade, là. Je veux dire, t'as pris une solide coche de fois en fois. Ta première, c'était un flop. Ta deuxième, t'avais tout pété. La troisième, c'était t'essayais de quoi? T'essayes encore de quoi? C'est cool comment tu travailles. Mais c'est la place pauvre aussi. Là. Hein? Ouais. C'est oui, la place pour vrai. Parce que tu l'utilises bien. C'est filmé et tout, qu'on peut se revoir après. Ouais, mais tu peux te prêter une caméra là aussi. Non, mais c'est bio, c'est beau le son, t'es beau, tu sais. Je me vois jamais. C'est bon, si tu l'utilises pour travailler, c'est. Mais je pense que surtout, il manquait à ton anecdote un aspect qui nous aurait fait comme languir ou comme être plus sur le bout de notre chaise. Exactement. Tu sais, un genre de. Tu t'en vas faire un jeu d'évasion avec ton frère, mais toi, t'as vu dans la journée même sa blonde le tromper avec quelqu'un, puis tu fais comme, hey, c'est peut-être le moment qu'il faudrait que j'y annonce. Fait que là, quand est-ce que tu vas y annoncer dans le jeu d'évasion? Tu sais, rajouter un élément de même, mais par contre, pour nous mettre dans la vibe jeu d'évasion, tout le monde avait envie de sortir. Fait que ça, c'était correct. C'est pour ça que j'ai barré les portes avant, mais c'est bon. Mais je dois te dire, pour vrai, bravo, t'étais posé dans ton jeu plus que les autres fois. Fait que ça, good job, mais je voulais... Il se fait rire, ce dit. Ben, c'est un solide gars. Je fais trop juste pas correct aujourd'hui. Je suis mis avec tout le monde. Moi, c'est ma première fois, puis je suis très pour bout, honnêtement. Mais moi, je trouve que t'as beaucoup d'aplomb, t'as beaucoup d'aisance. Tu sais, t'as clairement... Il y a de quoi, là. T'as quelque chose. Merci. Mais c'est un petit manque de punch, je te dirais. Un petit manque de punch... Puis c'est ça, faut que tu y ailles. Si tu vas dans l'anecdote, écoute du Sam Breton, écoute, c'est tellement clair, c'est imagé, c'est essaie d'aller chercher quelque chose qui va aller, tu sais, que tout le monde va pouvoir connecter. Mais fais du charisme, c'est Sam Breton. Fais exactement fait ce que Sam Breton fait. Okay, je fais ça en arrivant, j'écoute tout. OK. Bon, Steve Davidson, tout le monde l'applaudit. Applaudissez Steve, là.
continue ça avec Sarah Robinson! Allô, ça va bien? Oui. Mon Dieu, c'est vrai que les lumières sont vraiment intenses. Il y avait raison. OK. Fait que là, dans le fond, j'ai aucune idée pourquoi je suis ici ce soir. Maudite boisson de cul, j'aurais pas dû, mais maintenant, je suis là, puis là, faut que je sois avec vous pendant 3 minutes. Fait que 3 minutes, c'est comme le temps de penser à tes souvenirs d'enfance douloureux pendant que tu regardes ton plat Michelina tourner dans le micro-ondes, right? That's about it. J'hésitais en 3 choses quand j'étais comme en train de faire de l'anxiété par rapport à ce moment. J'étais comme, OK, est-ce que je parle des souris mortes dans mon appart? Est-ce que je parle de la maternité puis des tire-laits? Ou si je parle de la vie sexuelle de Victor Hugo? Voilà. So, je vais le mettre. Attendez, faut que je la cote un peu. Victor. OK. Comme ça. Il vous juge. Il vous juge. OK. Donc, c'est ça. Dans le fond, je suis vraiment contente. Ça va bien? Ça va? Yeah! Yeah! OK. Moi, ça va, là. C'est un peu bizarre d'être sur scène là, en ce moment. Parce que, comme dans le fond, moi, de 8 à 16 ans, mes parents m'ont inscrit à des cours de chant. Fait que j'étais sur scène aussi quand j'étais jeune. Puis ça, c'était parce que j'ai braillé en crise, parce que j'étais écœurée de jouer au baseball. Parce que... Non, mais j'étais vraiment à chier, je vous jure, OK? J'étais à chier. Mon père, il a fallu qu'il se pointe avec un gros bucket de gomme bazooka pour que les autres personnes m'aiment, même si j'étais à chier. Puis, c'est ça, dans le fond. Quand j'étais au baseball, j'étais à chier. Fait que là, j'ai pleuré, puis là, ils m'ont inscrite au cours de chant. Donc, quand j'étais sur scène... J'avais pas beaucoup d'amis. Puis, quand je suis retournée sur scène quelques années plus tard, j'avais pas beaucoup de linge. J'ai pété mes gants. C'est vrai. Par applaudissement, qui a déjà dansé tout nu? Ah, fuck. Merci. Encore? OK. Manifestez-vous. OK. Non, mais c'est ça, je parle pas de danser. Sarah Robinson! Bravo, bravo! Oh mon Dieu! T'étais pas loin, Sarah. Hey, on dirait Amy Winehouse avec une joie de vivre. Ouais, c'était comme bizarre et agréable. Ouais, c'était comme... J'ai rien compris, mais j'haïssais pas ça. Tu comprends? Il y avait quoi de charmant dans toute cette incompréhension-là? Oui, charmant est le mot de... T'es le fun à écouter, même si on sait pas ce que... T'as même pas parlé de Victor Hugo! Je m'en venais. Il me restait 5 secondes. Après 2 minutes, t'as fait « ça va tout le monde ». Ça, c'était ton meilleur gag, cela dit. Mais il est beau, là. Oui. Tout le temps une bonne idée. C'est un bel homme. Oh. Ouais, okay. C'était parfaitement disparate. Oui, t'as une bonne énergie, Sarah. Là, t'as clairement une bonne énergie. Moi, l'affaire, je te dirais, puis ça va pour tout le monde en arrière, tous les jeunes humoristes. Quand t'arrives sur scène, tasse le pied de micro. Des fois, il y en a qui jouent en avant. Là. Tasse-les. T'as une belle présence sur scène, t'en as pas besoin. OK. Mais. T'es-tu sur le Xanax ou de quoi? Mais tu veux pas faire ça de ta vie? Non. Non. Tu fais quoi dans la vie? Tabarnak. Je suis professeur de français puis j'écris des livres. Chris, c'est ça. Ça paraît qu'on manque de profs. Wow. Mais t'es prof de français pour de vrai, hein, Sarah? Oui. Puis t'apprends à tes élèves à faire des textes concis et clairs. Oui.
Non, je leur apprends à extrapoler leur énergie et à comme développer leur imaginaire. Ouais. Quelle année t'enseignes? En fait, j'ai enseigné au secondaire pendant 2 ans. Puis là, maintenant, j'enseigne à des fonctionnaires fédéraux. What the fuck? Yeah. C'est vrai. Dans quel contexte? Dans un contexte professionnel. Mais genre, tu t'en vas-tu au Parlement puis tu leur donnes des... Non, mais... Tu fais pas des dictées au Parlement, là? C'est comme... C'est quoi enseigner le français à des fonctionnaires fédéraux? Ben, ils ont besoin d'obtenir leur niveau B, mettons, là. C'est comme des anglophones de fucking Calgary. Puis ils veulent obtenir leur niveau B. Fait que là, tu leur enseignes le français et tu leur apprends à communiquer de façon fonctionnelle. OK! Yeah. Hey, mais t'as... Ton anxiété mixée avec ta joie de vivre est malade. C'est beau, ça méritait pas le 3 minutes, mais le 2 minutes 52 était on point. J'ai tout aimé, bravo, vraiment. Ouais, bravo, ça va. Je danse. Hey, je l'adore. Fonctionnaire. Salut! Aïe, aïe! Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Je sais pas, elle a dit qu'elle dansait nue, Je sais pas si c'était comme ça aussi, puis elle était juste full enfantine. Je veux pas les non, je veux pas. Non, il me met pas du okay, parfait. On accueille JP Ringuet, tout le monde! JP Ringuet! Bonjour. Ça sera pas trop long. J'ai un setup. Si tu veux bien voir, là, allez là. Mais c'est pour toi. Si tu t'en sers, tu peux rester là. As-tu commencé? Idéalement, non. Mais je vais en profiter pour dire que mes codes linguistiques sont à jour. J'ai 2-3 affaires à vous montrer, là. Ce sera pas bien long. Bon! Bonsoir, tout le monde. Je commence ça bien simple. Je pense que tout le monde a fait ça pendant le début de la pandémie. On se trouve des hobbies, des nouvelles activités qu'on n'a jamais essayées, qui sont bien au-delà de nos capacités. Moi, j'ai construit une pergola. Puis vu que je m'appelle pas Pierre, j'ai aucune connaissance innée en outils. Puis pour vous éviter de faire la même erreur que moi, je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai utilisés pour que vous puissiez savoir quoi faire et que ça soit sécuritaire. Donc... La prochaine chose que j'avais à faire, c'était casser une dalle de béton. Là, il y en a qui vous diraient d'utiliser une masse, mais moi, la mienne est tellement petite, je l'ai appelée Julie. Puis, pour casser du béton, c'est zéro. C'est zéro. Ce qu'il vous faut, c'est un marteau pilon. Ça, c'est super maniable, super efficace. Il y en a qui vous diraient que ça ressemble vraiment trop à un marteau, mais vous voyez bien que sur un clou, c'est pas efficace. Puis même avec des clous spécialisés, ça marche pas. J'ai essayé avec des clous de girofle, ça a tout rentré dans la tête, c'est rien passé. Une fois que la dalle de béton était cassée, ça s'est refermé, ça. Bon. J'étais prêt à couper mon bois. Puis ça, tout le monde sait que l'outil idéal pour ça, c'est la scie. Ça vous fait des lignes droites dans à peu près n'importe quel bois. C'est magnifique. Par contre, si vous avez besoin de faire une courbe, il vous faut un accessoire. C'est la scie sauteuse. Mais ça, je vous mens pas, là, c'est juste pour les outils portatifs.
Vraiment, là, si vous avez le budget, l'espace, l'idéal de versatilité, ça reste toujours l'acier à ruban. Là, je me rends compte que c'est vraiment une démo théorique en ce moment. Fait qu'on va faire un petit exercice pratique. Pour les exercices, on aurait pu prendre n'importe quelle essence de bois, du bois dur, comme de l'érable, du cerisier. Moi, j'allais avec un bois mou. J'avais des retailles de pain à la maison. Vous voyez? Oh! Vous voyez, je les ai préalablement coupés avec la scie. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est les imbriquer ainsi. Là, avant de poursuivre, c'est super important de s'assurer que tout est droit. Ça, évidemment, ça vous prend un niveau. Ça, c'est super simple d'utilisation. On le met dessus. Le veau est tombé, c'était pas droit. J'avais de la colle à bois. J'avais un pinceau aussi. J'ai adoré détester ça. C'est juste à cause du micro-casque. On dirait que tu allais lui faire une présentation de chamois. Ben, j'aimerais pas ça avoir sa vie. Moi, honnêtement, JP, grand fan de toi. Du début à la fin, Asti, je trippe. Moi, t'es arrivé avec un micro-casque, puis je t'ai vendu en partant. Ah ouais. Au contraire, je trouve que Chris, on en utilise plus assez, des micro-casques. Ça a un niveau... À la limite, je l'aurais rentré encore plus dans ma gueule, parce que quand tu fais le jeu, j'adore ça. C'est ma première fois. Je sais pas trop comment utiliser ça. C'est sûrement ma dernière aussi. C'était un défi de Charles. Je me suis dit, je vais me lancer, puis je voyais pas comment j'allais gérer. C'est un défi de moi? Oui! Après mon dernier passage, en tant que Lance Banger, tu m'as dit, je peux te lancer un défi, puis tu m'as dit, fais de l'humour avec des accessoires. Fait que voilà. Eh hey, mais écoute-moi jamais. Oh. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Bravo, JP. Calice. Fait que ce que je retiens de ça, c'est que t'as pas de mémoire, puis j'ai un immense respect pour Daniel Grenier. C'est tout. Ça, y a pas un gag, là. Ça, y a pas à dire. Hey, mais pour ceux qui... parce que t'as juste, je pense, un épisode qui est sorti, le deuxième, il est pas sorti encore. Ceux qui connaissent pas JP est venu, il a fait son premier show à vie et il a tout pété au gang show. Il est revenu une deuxième fois, il a tout pété encore et il est revenu, il a moins tout pété, mais ça a bien été quand même. C'était ton moins fort, mais pour être, t'es venu avec trois concepts complètement différents. C'est vrai. Tu sais écrire, t'es le... Man, t'es bon. J'ai une demande. Ouais. Ça fait trois fois que je viens, vous m'avez jamais gagné. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une carte spéciale que c'est de sa faute. On a commandé des médailles du gang show comme des petites pines d'armée. Puis je les ai oubliées chez nous, on les a reçues avant hier. Fait que je vais t'en donner une pour que tu puisses porter. Mais est-ce que ça t'empêche de me gagner la prochaine fois que je viens? Non, c'est pas. Non, mais c'est parce que j'ai un numéro, je mets des accents en blackface, puis je sais pas où le faire. Pas ici! Ah, mais oui, on ne gagnera pas, viens le faire! C'est filmé aussi, hein, pis tout? C'est parfait, Vardac! Mais combien de temps ça t'a pris faire le pain pour vraiment comme tout bien découpé puis que ça rentre? Ah, 8 minutes. Oui, c'est ça. Okay. T'as pas été long, là? C'est moins long qu'avec du vrai bois. Puis je mange pas le bois d'habitude. Moi, je trippe sur le personnage, mais je doute que ce soit un personnage. J'ai un feeling que t'es un genre de courtier immobilier qui est tombé sur la tête. Puis je te donnerais tous mes biens, moi, JP. Je suis fonctionnaire fédéral. C'est très vrai. Oui, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais dire. Non, effectivement. Parce que je sais pas ce que je voulais dire. Mais fonctionnaire fédéral, mais tu fais quoi déjà? Je travaille à la sécurité de la vieillesse. J'ai des collègues dans la salle, d'ailleurs. Les collègues. Y'a-tu des collègues? T'as dit des collègues, de juste un qui fait C'est celle qui parle fort. Par applaudissement, les collègues à JP? Okay. Il y a trois personnes. Ouais.
Mais t'es bon pour vrai. Puis la dernière fois, tu t'avais dit que tu voulais écrire s'il y a du monde qui cherchait des auteurs, quoi que ce soit. Mm-hmm. Puis on a travaillé ensemble sur un texte. Puis pour vrai, t'as été d'une forte aide. Fait que si jamais il y en a Attends, il m'a envoyé un texte, ça n'a pas été pareil. Ah non? J'ai pas osé te réécrire. Ben non, mais j'ai lancé 2-3 berges, voir dans quelle direction on allait, mais j'ai jamais répondu. Bon, mais ça, le public ne le sait pas. Nous autres, on a aimé ça, ils savent quoi, le monde. Oui! Ah, on a aimé ça! JP Ringuet! JP Ringuet, tout le monde! Bravo, JP! Garde ton microcast. À jamais. Enlève-les jamais, JP. Oui, traîne un mini speaker puis parle tout le temps. Oui, constamment. Puis allume-les très fort. C'est déjà la fin pour toi, le beau J. Ah, c'est vrai? Oui, c'est déjà. Est-ce qu'on va applaudir JP Fournier, tout le monde? Hey, merci beaucoup. T'as-tu des affaires à plugger, ton podcast? Mon podcast, c'est serré, tout le monde. Je fais des shows partout. J. Fournier, J-E-Y Fournier. Puis sinon, trippé, tout le monde. Passez une belle soirée. C'est super le fun. Bravo, les gars. Yes, merci. Bravo. J. Fournier. Bonne soirée, tout le monde. C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Oui, merci à Plahop d'avoir commandité l'épisode. Merci à vous autres de nous suivre, surtout les membres Patreon. On vous aime beaucoup. Mon spectacle est disponible sur YouTube. Il va être dans les... Claudie qui fait le montage, mets le lien dans les commentaires, puis allez voir le show de Joe Guérin, sérieusement, sur pas le site internet à Joe Guérin, sur sa page Facebook, les billets vont être en vente, et on se revoit la semaine prochaine. Ben moi je serai pas là.